Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Merci Père éternel, merci le roi de ce que tu nous as conduit en ce lieu, encore ce soir, saint et sauf pour ta gloire. Merci Jésus de Nazareth pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Nous te recommandons ce moment merveilleux que, Seigneur, que tu es situé en ce moment. Et le rime, nous te prions, viens nous conduire. Viens nous conduire, Seigneur, que la chair se taise. Que la chair ne répond plus jamais, Papa. Afin que ton esprit nous conduise, Seigneur. Que ton esprit vienne prendre le contrôle de tout. Nous nous décroissons, fais que toi seul tu croîtres. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous nous faisons tout petit, afin que toi seul tu grandisses en nous. Seigneur Jésus de Nazareth, viens, pose ta main sur tes enfants que nous sommes. Saint Esprit de Dieu, que tout œuvre que l'ennemi a planifié en ce lieu. Père éternel, mon Dieu, mon roi, toute incantation contre nous, toute implication contre nous soit nulle et sans effet, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Couvre-nous par ton sang, Papa. Là où les sorciers veulent se lever contre nous, Père, je te prie, barricade-nous pas de feu de voix. Sois nos gardiens, Seigneur, sois nos boucliers anti-missiles. Sois nos boucliers anti-missiles. Sois notre forteresse, Seigneur Jésus de Nazareth. Couvre-nous entre les clés de ta main, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Et que ta puissance descende dans ce carrefour. Afin que la vie soit guérie. Afin que le cœur soit touché. Afin que les âmes soient déliées, Seigneur, en ce soir. Afin que, Père, les écailles des yeux tombent. Afin que les bouchons qui sont dans les oreilles tombent en ce soir. Père, viens briser les chaînes. Viens briser les chaînes du raisonnement. Les chaînes de l'ignorance en ce soir. Afin que ta parole pénètre dans le cœur. Afin que ta parole touche les âmes. Afin que ta parole ressuscite la mort. Afin que ta parole guérir les malades, afin que ta parole, Seigneur Jésus de Nazareth, fasse convertir des âmes, afin que ta parole, Seigneur, envoie des âmes vers toi seul. Car, Seigneur, tu nous as enseigné, oh, tu nous as fait comprendre, dans ta parole, que les temps sont finis, et ton retour est imminent. Père éternel, mon Dieu, roi, viens et agis puissamment. Remplis-nous de feu, Seigneur. Remplis-nous de feu, Seigneur. Remplis-nous de feu, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous du zèle. Remplis-nous de l'autorité. Remplis-nous de ta force. Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ta force nous inonde, que ton autorité nous inonde. Accorde-nous ta force, Seigneur. Accorde-nous ton autorité, Seigneur Jésus. Viens nous équiper, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Mets à notre tête le cas du salut. Mets à notre la courage de justice. Et mets à nos oreilles la ceinture de vérité. Mets à nos pieds les chaussures qui donnent l'évangile. Mets à nos pieds le bâton de feu. Les chaussures de feu. Embrase-nous par le feu. Embrase nos pieds par le feu. Et mets à nos mains, Seigneur Jésus, gauche le bouclier de la foi. Et mets à nos mains droites. Le paix de l'esprit qui est ta parole. Le paix de l'esprit qui est ta parole. Oh, le paix devant laquelle. Oh, nul ne peut raisonner. Le paix devant laquelle. Il ne peut discuter. Le paix de la justice. Mais à nos mains droites, le paix qui est ta parole. Le paix du grand carnage. J'utilise la chaîne pour faire tomber les écailles. J'utilise la chaîne pour faire tomber les ennemis. Afin que tes enfants soient libérés. Afin que tes enfants soient délivrés. Afin que tes enfants soient guéris. Oh, Jésus de Nazareth. Descends ton armée céleste. Que l'armée céleste descende en ce moment. 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 Que ton armée céleste descende en ce moment. Que ton armée céleste descende en ce moment. Que ton armée descende en ce moment. Que ton feu 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 descende en ce moment. Brisez tout ce qui est arsène en ce moment. Brisez les enchantements, tout le fruit. Brisez les enchantements de l'ennemi. Brisez les envoûtements. Brisez les enchantements. Malédiction qui a été lancée contre tes enfants. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui fait qu'ils sont toujours dans l'ignorance. Nous déclarons par l'autorité
Seigneur, par la foi tu nous as été donné par le Saint-Esprit, que la malédiction soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que la malédiction soit brisée au nom de Jésus. Que la malédiction soit brisée au nom de Jésus. Que les chaînes qui les tiennent soient brisées au nom de Jésus. Que les chaînes qui les tiennent soient brisées au nom de Jésus. Que les chaînes tombent maintenant. Les chaînes tombent. Seigneur, va ton sang. Envoie ton sang. Seigneur, va ton sang pour élever son Dieu. Descends ton sang. Le sang de l'agneau. Descends ton sang. Et Henri Seigneur, la croix de Golgotha. Descends ton sang. Car je voulais la croix de Golgotha. Fais couler ton sang. Sans l'immense ce lieu. Fais couler ton sang. Le sang de Jésus. 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 Fais ton sang. Le sang de Jésus. Fais ton sang. Et non, Seigneur. Fais ton sang. Et non, Seigneur. Fais couler ton sang. Et non, Seigneur. Fais couler ton sang. Et non, Seigneur. Fais couler ton sang. Et non, Seigneur. Seigneur, par ton sang. Viens prendre le contrôle de tes enfants. Je te manifeste. Couvre-nous par ton sang. Père éternel, mon Dieu, roi. Que la robe qui couvre la cité céleste nous couvre ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Protège-nous contre toute attaque de l'ennemi, contre toute flèche de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, tu nous arrêtes que nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, population de Carrefour Abraham. Shalom, shalom. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Recevez mon shalom de là où vous êtes. Recevez mon shalom de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez commencé déjà à nous maudire, je prie que Dieu vous bénisse. Vous qui nous bénissez déjà, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel des armées multiplie sa grâce sur votre vie. Que le Dieu de gloire multiplie sa bonté dans votre vie. À ce soir, nous sommes venus vous annoncer la parole de Dieu. À ce soir, nous sommes venus vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que toi, tu as déjà entendu parler de ce Dieu. On t'a déjà parlé de ce Dieu. Mais tu traînes les pas. Mais tu traînes les pas. À ce soir, Jésus nous a envoyé encore ce lieu pour t'annoncer sa parole. Jésus nous a envoyé en ce lieu encore ce soir pour te parler de sa part. Car les temps sont finis et son retour est imminent. C'est pourquoi, bien-aimé, à ce soir, Élie nous a été placé encore depuis Bassam. Il a fait descendre encore l'armée céleste en ce lieu. Accorde-toi seul. Oh, parce que tu es important à ses yeux. Parce que tu as du bruit à ses yeux. Parce qu'il veut que tu sois sauvé. Parce qu'il veut que tu sois du péché. Bien-aimé, toi qui m'entends ce soir, toi qui me regardes ce soir, c'est à cause de toi que nous sommes venus. C'est à cause de toi que l'Éternel des armées nous envoyait en ce lieu. C'est à cause de toi qui nous envoyait en ce lieu. Si nous sommes en ce lieu ce soir, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, bien-aimé. Toi qui nous entends, prête l'oreille. Toi qui nous entends, prête l'oreille. Parce que cette parole qui va sortir te concerne. Elle te concerne. Elle est pour ton instruction. Elle te donnera la vie, la parole qui va chercher ce soir. Elle te donnera le salut. Elle te donnera le repos éternel. La parole qui va chercher ce soir te donnera la bénédiction que tu as tant désiré. La parole qui va chercher ce soir te donnera la paix, te donnera la vie. Car cette parole, c'est Jésus de Nazareth. La parole de Dieu nous déclare dans le livre de Jean chapitre 1. Verset 1 à 3, que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par la parole, et tout ce qui a été fait n'était fait sans la parole. Et verset 14, il est écrit, la parole s'est faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, pleine de grâce et de vérité. Et cette parole qui s'est faite chair, bien-aimé, c'est Jésus. Et c'est ce Jésus que nous sommes venus t'annoncer ce soir. C'est ce Jésus que nous sommes venus t'annoncer ce soir. Car, bien-aimé, c'est Jésus qui peut te délivrer. Oh, c'est lui qui peut te délivrer. C'est lui qui peut t'accorder la paix. C'est lui seul qui peut t'accorder le salut. Oh, bien-aimé, le paradis dont t'as tant parlé. Le paradis dont t'as tant parlé. C'est Jésus qui peut te donner cela. C'est en ce Jésus qui se trouve le salut. C'est en ce Jésus qui se trouve le salut. C'est lui qui te donnera la vie.
La Bible nous dit dans le livre de Jacques 14, verset 6. Jésus nous dira que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne disons au Père que par moi. Père, nous ne perdons le seul sans passer par Jésus. Il ne peut aller seul sans passer par Jésus. Il ne peut voir le Père sans passer par Jésus. Il ne peut aller au paradis sans passer par Jésus. Phénomène, le paradis dont tu as parlé, c'est Jésus qui donne. C'est Jésus qui donne. Si tu n'as pas Jésus, bien-aimé, tu es sur la mauvaise voie. Si tu n'as pas Jésus, bien-aimé, tu es sur la mauvaise voie. Si toi, tu es en train d'adorer quelque chose, que ce n'est pas Jésus, tu es sur la mauvaise voie. Jésus t'interpelle en ce soir. Jésus te rappelle en ce soir. Jésus-Christ est en la mer ce soir. Jésus te tend la main ce soir. Population de Gonzagueville, Jésus vous tend la main ce soir. Oh toi pensant qui m'écoute, oh toi pensant qui m'écoute, toi qui es assis qui m'écoute, Jésus te tend la main ce soir. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Trop longtemps tu es dans le péché. Oh trop longtemps tu es dans le péché. Et cela ne t'a rien donné. Cela ne t'a rien donné. Les témoins t'ont tourmenté. Lorsque tu dors, tes nuits sont troublées, tes couches sont troublées. Bien-aimé, laisse-moi te dire que l'ennemi joue avec ta vie. Satan joue avec ta vie. Lorsque tu dors, il vient coucher avec toi. Il vient coucher avec toi. Il a des rapports sexuels avec toi. C'est Satan qui fait cela. Il joue avec ta vie. Il est en train de ramasser tes grâces. Les bénédictions que l'Éternel les armées t'a accordées. Il est en train de les ramasser. Les grâces qu'il t'a accordées, il est en train de les ramasser. Satan est en train de ramasser cela. Donne ta vie à Jésus, afin qu'il te ressort. Donne ta vie à Jésus, afin qu'il te guérit. Donne ta vie à Jésus, afin qu'il change le cours de ton mission. Ton mission était placée, mais elle était détournée. À cause de ta vie de péché. À cause de ta vie de péché. À cause de ta vie de péché. Ton mission était tracée par l'Éternel. Mais à cause de ta vie de péché, elle était détournée par Satan. Elle a été détournée par Satan. Bien-aimé, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Fais le meilleur tout pas de ta vie. Car depuis longtemps que tu es dans cette vie, depuis longtemps que tu es dans cette vie, tu es en train de mener cette vie. Qu'est-ce que cela t'a donné? Qu'est-ce que cela t'a donné? Qu'est-ce que cette vie t'a donné? Qu'est-ce que cette vie t'a donné? Elle t'a rien donné. Elle t'a rien donné. Au contraire, elle te donne tout le temps les problèmes. Elle te produit tout le temps les problèmes. C'est Jésus qui a la solution à tes problèmes. C'est Jésus qui a la solution à tes problèmes. C'est Jésus qui a la solution à tes problèmes. C'est pourquoi je t'encourage ce soir par la compassion de Christ. Toi qui m'entends, réponds-toi et donne ta vie à Jésus. Répands-toi et donne ta vie à Jésus. Tu es encore qui es dans le concubinage. Tu es dans le compinage. Tu es dans faire le beau égard. Tu es dans faire le beau égard. Chaque jour tu sors. Tu fais dans le couloir. Dans le couloir tu es avec la gomme. Vous faites de n'importe quoi. Bien aimé, si tu meurs dans cette vie, laisse-moi le dire que ta destination sera l'enfer. Ta destination sera l'enfer. Oh, Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi. Bonjour. Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi. Toi qui es dans à faire le concubinage, toi qui es dans faire le beau égard, répands-toi et sors de cette vie d'impudicité, sors de cette vie de débauche, sors de cette vie de bravé et répands-toi de cette vie et donne ta vie à Jésus. Car les temps sont finis, les temps sont finis, le retour de Jésus est imminent. Jésus revient maintenant pour toi, ses enfants. Jésus revient maintenant pour toi, ses enfants. Mais est-ce que tu es prêt? Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. La trompette va sonner. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Toi, papa qui m'écoute. Toi, maman qui m'écoute. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Réponds-toi. 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 Répondez-vous. Répondez-vous. Répandez-vous. Répandez-vous. Car les temps qui viennent, bien-aimés, seront difficiles. Seront difficiles. Les temps qui viennent, bien-aimés, seront difficiles. Montez. Les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles. En nous criant, l'Éternel des armées, son cœur saigne pour toi, ni tes jours. Son cœur saigne pour toi, ni tes jours. Son cœur saigne pour toi, ni tes jours.
Repends-toi de cette vie. Repends-toi. Toi qui as encore fait le monde, tu veux être toujours à la mode. Tu vis la mondanité. Oh, tu veux te faire voir. Tu veux toujours se faire voir. Bien aimé, ça sert à quoi l'homme de gagner le monde et de perdre son âme? Ça sert à quoi l'homme de se faire voir par les hommes et de perdre son âme? S'il perd son âme, s'il perd son âme, bien aimé, ça sert à quoi t'embellir le corps? Si tu perds ton âme, vérité, ça sert à quoi t'embellir le corps? Et demain ton âme soit jetée en enfer. Vérité. Réponds-toi. Réponds-toi. Prends soin de ton âme. Bien aimé, c'est avec la parole de Dieu que tu peux entretenir ton âme. C'est la parole de Dieu qui soigne l'âme. Réponds-toi. Réponds-toi. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Toi qui m'entends, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Toi qui m'entends, donne ta vie à Jésus. Réponds-toi. Jésus te tend la main. Jésus-Christ te tend la main. Jésus-Christ te tend la main. N'anticipe pas ton cœur. Les temps sont finis. N'anticipe pas ton cœur. Les temps sont finis. N'anticipe pas ton cœur. Les temps sont finis. Oh, toi voleur. Toi qui pratiques le vol. Réponds-toi. Car aucun voleur n'héritera le royaume des cieux. Toi menteur. La parole de Dieu déclare que les menteurs ne retrouveront pas le royaume des cieux. Toi profitier, la parole de Dieu déclare que les impudiques ne retrouveront pas le royaume des cieux. Oh, toi qui es dans l'impudicité, toi qui es dans l'adultère, toi qui es dans le concubinage, la parole de Dieu déclare que tu ne peux pas aller au ciel avec cette vie que tu mènes. Tu ne peux pas aller au ciel avec cette vie que tu mènes. C'est pourquoi réponds-toi. Le roi de gloire nous envoie ce soir pour t'annoncer la repentance. Oh, pas pour t'insulter. Pas pour te condamner. Alléluia. Pas pour te condamner. 1 Timothée. Amen. 1 Timothée 1, verset 10. Alléluia. Les impudiques. Les impudiques. Les infâmes. Les infâmes. Les voleurs. Les voleurs. Les menteurs. Les menteurs. Les parjures. Les parjures. Et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. N'hériteront pas le royaume des cieux. N'hériteront pas le royaume des cieux. Bien aimé, tu as entendu la parole de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. La voleur n'hériteront pas le royaume des cieux. Les infâmes n'hériteront pas le royaume des cieux. Les impudiques ne peuvent pas aller au ciel. Bien aimé, cette vie que tu mènes, tu es en train de rendre un culte à Satan. Tu es en train de rendre un culte à Satan. Apocalypse 21, verset 8. Alléluia. Mais pour les lâches. Mais pour les lâches. Les incrédules. Les incrédules. Les abominables. Les abominables. Les meurtriers. Les meurtriers. Les impudiques. Les impudiques. Les enchanteurs. Les enchanteurs. Les idolâtres. Les idolâtres. Et tous les menteurs. Et tous les menteurs. Ne pas. Sera dans le temps ardent de feu. Sera dans le temps ardent de feu. Et de souffre. Et de souffre. Ce qui est la seconde. Lorsque la Bible dit les menteurs ne peuvent pas aller au ciel, ça te concerne toi qui mets mettre sur ta tête. Toi qui portes de faux cheveux, cela te concerne. Toi qui portes de faux ongles, cela te concerne. Toi qui portes de faux cils, cela te concerne sur ton corps. Tu mets cela sur toi et tu prépares adorer un Dieu qui est vrai. Tu portes tout ce qui est faux et tu prépares adorer un Dieu qui est vrai. Et tu penses que tu peux aller au ciel avec cette vie. Et tu penses que tu peux hériter le royaume des cieux avec cette vie. Bien aimé, laisse-moi te dire que si tu meurs dans cette vie, ou si la trompette sonne pour toi dans cette vie, laisse-moi te dire ce soir, je ne te condamne pas, mais je te dis la vérité. Ta part sera en enfer. Lucifer, va t'accueillir à tes mains. Réponds-toi. Toi, femme qui met ce sur ta tête, toi qui portes des faux cheveux, toi qui portes des faux hommes, toi qui portes des faux cils, réponds-toi. Réponds-toi. Parce que je suis une menteuse. Oui,
Tu as une menteuse. Et tu ne peux pas aller au ciel avec ça. Tu ne peux pas aller au ciel avec cette vie. Je te le dis en vérité, en vérité. Si tu meurs dans cette vie, laisse-moi te dire que tu ne peux pas aller au ciel avec. Cette vie te condamnera. C'est pourquoi réponds-toi aujourd'hui. Donc, t'as dit à Jésus pendant qu'il est temps. Romains 1, verset 25 à 26. Alléluia. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Eux qui ont adoré. Eux qui ont adoré. Et servi le Créateur. Et servi le Créateur. Au lieu de. Et servi le Créateur. Au lieu de. Et servi le Créateur. Au lieu du Créateur. Alléluia. Qui est béni éternellement. Gloire à Jésus. Et pourquoi? Dieu les a livrés à des personnes et femmes. Car les femmes ont changé l'usage naturel. En celui qui est contre nature. Je répète là-dessus. Alléluia. Romains 1, verset 25 à 26. Alléluia. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Eux qui ont adoré la créature. Eux qui ont adoré la créature. Au lieu du Créateur. Au lieu du Créateur. Au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je les ai livrés. Je les ai livrés. À des passions infâmes. À des passions infâmes. Car. Les femmes ont changé l'usage naturel. En celui qui est comme nature. Amen. Amen. Bien aimé, la vie que Dieu t'a donnée. Le corps que Dieu t'a donné. Tu as venu changer ta nature. Tu es venu changer cette nature glorieuse, magnifique que Dieu t'avait donnée. Toi seul, tu mets vos cheveux sur toi. Toi seul, tu mets vos ongles sur toi. Tu vas jusqu'à décapiter la peau. Décaper la peau. Tu vas jusqu'à changer la couleur de ta peau. Regarde, question. Ce n'est pas cette peau que Dieu t'a donnée. Ah! Ce n'est pas cette peau que Dieu t'a donnée. C'est pour toi. C'est pourquoi? Devant la porte du ciel, devant la porte Dieu te dira, tu ne t'as jamais connu. Jamais il ne t'a jamais connu. Parce qu'il t'a créé moi. Parce qu'il t'a créé moi. Tu es devenu Jésus. Je suis devenu clair. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Oui, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Réponds-toi. Réponds-toi. Change de vie. Toi qui as changé la couleur de ta peau. Oh, réponds-toi. Toi qui as changé la couleur de tes chevelures. Réponds-toi. Toi qui as changé la couleur de tes ongles. Réponds-toi. Toi qui as changé la couleur. De quoi? Je sais pas moi. Un Éthiopien ne peut jamais changer sa peau. C'est la même chose, bien aimé. Un Ivoirien ne peut pas devenir européen, jamais. Pourquoi tu changes ta peau? Pourquoi tu changes la couleur de ton teint? Pourquoi tu changes la couleur? Pourquoi tu changes la couleur de ton teint? Jérémie 13, verset 23. Alléluia. Un Éthiopien. Un Éthiopien. Peut-il changer sa peau? Peut-il changer sa peau? Et un léopard. Et un léopard. Ses taches. De même. Pourriez-vous faire le bien? Pourriez-vous faire le bien? Nous qui êtes accoutumés à faire le mal? Ah. Question. Ah. Question. La question que je mérite de poser ce soir. Okay. Est-ce qu'un Ivoirien ou un Africain peut-il changer sa peau? Jusqu'à devenir européen. Question. La nature même doit nous enseigner les choses de Dieu. Aujourd'hui, ce que les animaux ne font pas, c'est ce que nous les hommes en fait. C'est ce que nous les êtres humains nous faisons. L'homme animal. N'écoute pas les instructions de Dieu. L'homme animal, n'écoute pas les instructions de Dieu. Donc toi, qui as la vie en toi ce jour, toi, qui as l'âme en toi ce jour, bien aimé, viens à Jésus, viens faire la paix avec Jésus, pendant qu'il est content. Mon Dieu. Alléluia. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Ne reçoit pas les choses de l'esprit. Car elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Et il ne peut les connaître. Après, c'est spirituellement qu'on le juge. Alléluia. Amen. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Jamais. Donc toi qui n'es pas un animal.
Écoute cette voix qui sort de ce micro. Écoute cette voix qui sort de ce micro. Qui t'indique quelque chose de glorieux. Qui t'indique quelque chose pour te saluer. Oui, nous ne sommes pas venus te condamner. Nous ne sommes pas venus te condamner. Actes chapitre 28, verset 10. Acte 28, verset 10, nous enseigne quelque chose. Nous ne sommes pas venus te condamner ce soir. Mais nous sommes venus te dire la vérité. Nous sommes venus te dire la vérité. Car aujourd'hui, le monde est corrompu par les doctrines de Satan. Les églises sont corrompues par les semences du diable. Acte 28, verset 10. Acte 28, verset 10. Alléluia. On nous rendit de grand honneur. Amen. Et à notre départ, Alléluia. On nous fut le chef dont nous avons besoin. Alléluia. Ok. Gloire à Jésus. Mais les messieurs, soit nous sommes, ne sont pas venus pour te juger. Que la parole de Dieu nous enseigne de ne pas voir quelqu'un, de ne pas voir nos procès comme jugé. Car moi-même qui te parle, je suis un grand menteur. Moi-même qui te parle, bien aimé, je suis un grand pécheur. Je suis un grand pécheur. Mais bien aimé, le Seigneur m'a retiré de la boue que j'étais. L'Éternel des armées, il m'a tendu la main. Et il m'a retiré de la boue que j'étais. Oui, moi qui te parle, bien aimé, j'étais un grand voleur. J'étais un grand impudique, prostitué, vagabond, masturbateur. J'étais un grand pécheur, bien aimé. J'étais un grand sorcier, bien aimé. Mais l'Éternel des armées m'a délivré. Il m'a accordé son amour. Car la parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais il a la vie éternelle. Alléluia. Mais Jésus t'aime encore. Il t'aime encore malgré ta péché. La parole de Dieu déclare que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Dieu t'aime parce que tu es pécheur. Il veut te sauver parce que tu es pécheur. Mais il n'aime pas le péché que tu fais. C'est pourquoi il veut que tu sors de cela. Il veut que tu abandonnes le péché. Il veut que tu abandonnes le péché. Répands-tu de cette vie. Repentance. Toi qui entends la voix du sentinelle, repentance. Toi qui écoutes le son de la trompette, repentance. Repentance. Sors du péché. Toi, jeune fille, je t'en prie, sors du concubinage. Jeune homme, sors du concubinage. Toi qui donnes ton corps, à cause d'un seul poulet, tu donnes ton corps. À cause de toi, de 10 000, de 5 000, de 10 000, tu es prêt à donner ton corps à n'importe qui. Tu es prêt à te livrer à n'importe qui. Réponds-toi. Tu te connais. Oui, tu te connais. Il s'agit de toi. Toi qui m'entends. Il s'agit de toi. À cause de la fin de l'époque, tu donnes ton corps. À cause d'une bière, tu donnes ton corps, oh! Jeune fille, sors de cette vie abominable. Sors de cette vie misérable. Sors de cette vie. Abandonne cette vie, je t'en supplie. Abandonne cette vie. Et répands-toi. Jésus-Christ t'aime encore. Il ne t'a pas laissé pour compte. Il ne t'a pas abandonné, malgré que tu es dans cette vie. Il t'aime encore. Il veut te sauver. Il te tend la main. Il veut te sauver. Sois de cette vie. Viens à Jésus. Assomme Jésus. Pendant qu'il est temps. Jésus-Christ aime.
La parole de Dieu déclare dans le livre de Tobie, chapitre 1, verset 9, que quiconque va pleurer, qui ne tenait pas de la doctrine de Dieu, il n'a pas Christ. Quiconque va pleurer, ne tenait pas de la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Bien-aimé, toi qui es dans une église où la doctrine de Dieu n'est pas prêchée, où la sainte doctrine n'est pas prêchée, laisse-moi le dire ouvertement, mais je suis désolé, mais Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Oui, Dieu n'est pas là-bas. Je te le tiens en vérité. Que Dieu n'est pas là-bas. Toi, tu es dans une église où la parole de Dieu n'est pas prêchée à 100%. Dieu n'est pas là-bas. Tu es dans une église où cette femme qui est pasteur, Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas là-bas. Oui, Dieu n'est pas là-bas. Tu n'as pas Dieu, hein? Tu n'as pas Dieu. Femme, ta place n'est pas sur les pupitres. Ta place est sur la maison. Ta place est sur la cuisine. Femme pasteur, toi qui m'écoutes, femme pasteur, ta place n'est pas sur la chair. Ta place n'est pas à la chair. Je ne t'ai pas appelé à être pasteur. Quand toi, femme, tu es pasteur, réponds-toi. Tu as chez Abel, réponds-toi. Femme autoritaire, réponds-toi. Toi qui prends l'autorité sur l'âme, réponds-toi. 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 La parole de Dieu nous recommande. Quand tu t'es habité à toi, verset 1. Pourquoi dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Bien aimé, lorsque la parole de Dieu est libérée, elle fait mal à la chair. Elle fait mal à la chair. Mais cela est un bien pour l'âme. Mais cela fait du bien à ton âme. Et lorsqu'on te dira ce soir que la messe que tu portes te conduira en enfer, oh, cela va faire mal à la chair. Mais elle fait du bien à ton âme. Lorsqu'on te dira ce soir que la mascarade, le maquillage que tu mets sur toi te conduira en enfer, cela fait mal à la chair. Mais ça fait du bien à ton âme. Oui. Toi qui mets masque sur ta tête, cela te conduira en enfer. Cela te conduira en enfer. La parole de Dieu. Les faux cheveux. Les faux cheveux que tu. Ah. Merci toi. Je veux habiter en toi. Je veux habiter en toi. Jésus veut habiter en toi. Je veux rien habiter en toi. Mais à cause de mes cheveux que tu mets sur toi. Je ne peux pas habiter en toi. Il ne peut pas. Il ne peut pas venir habiter en toi. Les faux cheveux. Tu as femme. Il t'a donné les cheveux naturels. Il t'a donné les cheveux naturels. Prends soin de tes cheveux naturels. Prends soin de ça. Et jette le serpent. Bien aimé, tu ne sais pas. Ton pasteur t'a jamais dit. Il t'a jamais dit que la masse que tu mets sur ta tête, en réalité ce sont des serpents. Vérité. En réalité ce sont des serpents. Mais je veux deviner la vérité. Mais pourquoi? Arrivé au moment tu commences à taper ta tête. Tu commences à gratter ta tête. Oui, tu commences à taper ta tête. À gratter ta tête. Parce que le serpent commence à sucer ton sang. Oh! Le serpent commence à sucer ton sang. Vérité. Le serpent commence à remuer les queues sur ta tête. Vérité. Le masque que tu mets sur ta tête. Le masque que tu mets sur ta tête. Je sens le serpent. Si tu penses ce que nous faisons, c'est du mensonge. Va sous tes genoux. Fais-y les genoux. En ce soir même. Demande à Dieu. Demande à l'Éternel. Il te montrera la vérité. Alléluia. Il te dira que ce que ces enfants sont venus dire, ce qu'on refuse, c'est la vérité. Alléluia. Que c'est la vérité. C'est la vérité. Toi, femme, tu as un pantalon. Si tu meurs dans ça, tu iras en enfer. Réponds-toi. Toi, femme, tu portes des pantalons. Si tu meurs dans cette vie, tu vas aller en enfer. Réponds-toi. Tu n'es pas le ciel. Le règne de Dieu sera fermé pour toi. Vérité. Quand il est écrit dans la parole de Dieu, c'est dans le verset 5 que nous disons que. Une femme ne portera pas les vêtements d'homme, ainsi qu'un homme ne mettra pas les vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses
est en abomination à l'Éternel. Bien-aimé, bien-aimé, toi jeune fille qui m'écoute, toi maman qui m'écoute, toi femme qui porte des pantalons, toi qui es dans les minuit, tu exposes ton corps, tu mets ta patte centime dehors, tu mets ta poitrine dehors, tu mets tes aisselles dehors, c'est de toi qu'il s'agit. Oh, cette parole te concerne. Elle te concerne cette parole. Elle te concerne cette parole. Si tu perds la sainteté, tu iras en enfer. Je ne te condamne pas. Mais je suis en train de te dire la vérité. Je suis en train de te dire la vérité. Si tu mets la sainteté, tu iras en enfer. Le ciel sera fermé pour toi. Le rang des cieux sera fermé pour toi. Si tu mets la sainteté, c'est dangereux pour ton âme. C'est dangereux pour ton âme. Je te le tiens en véritable vérité. Je te le tiens en véritable vérité. Tu as une fille, tu mets ton corps dehors, tu séduis les hommes. Je vais te faire voir. Oui, j'aime le marché finant. En enfer, Satan va te montrer. En enfer, c'est en enfer que tu verras. Qu'est-ce que nous sommes en train de te dire ce soir? Si c'est la vérité ou le mensonge. Oui. Toi, jeune fille qui m'écoute, toi qui mets ton corps dehors, toi qui mets ton pensée dehors, tu mets ta poitrine dehors. Oh, habille-toi correctement. Habille-toi correctement. Il est écrit dans 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que la femme s'habille d'une manière décente, décente. Avec pudeur, avec pudeur, avec modestie. Modestie. Ne se pas ni d'or, ni d'or. Ne se pas ni de presse, ni de presse. Ne se pas ni de perles, ni de perles. Ne se pas ni de vêtements somptueux, ni de vêtements somptueux. Mais bien aimé, toi regarde comment tu t'habilles. Regarde comment tu te vêtis. Le diable te donne la bise. Tu mets ton corps dehors. Ça te lorsque je vais t'appeler, la parole de Dieu déclare. Un livre de Genèse 3, verset 26. Genèse 3, verset 26. C'est Dieu qui fit le premier couturier. C'est Dieu qui fit le premier couturier. Mais Satan est rentré dans le monde. Il a fait sortir son modèle. Il a commencé à déshabiller les jeunes filles. Il a commencé à déshabiller les jeunes hommes. Il a commencé à les déshabiller. Ça fait pitié. Genèse 3, verset 21. Alléluia. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme. Des habits de peau. Des habits de peau. Et il les a revêtus. Alléluia. Amen. Bien-aimé. C'est Dieu qui a pris l'homme. Bien-aimé. Lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché, ils étaient nus. Ils étaient nus. Comme de la manière soit nus aujourd'hui. Vérité. Quand la menace était tenue d'aujourd'hui, vérité, c'est comme ça Adam et Ève étaient. Mais Dieu a dit que cela n'est pas bon, il les a fait des habits de peau. Il les a couvris. Il a couvert la nudité. Oui, bien aimé, c'est Dieu qui est le véritable couturier. Ce que tu fais, t'as de penser que c'est un peu tu. Comment se fait-il? Tu penses que c'est une vie? Tu penses que c'est une vie? C'est pas une vie, sors de là. Sors de cette vie. Sors de cette vie. Sors de cette vie. Sors de cette vie. Toi, jeune homme aussi. Toi, jeune homme, tu te promènes en débattant. Tu te promènes en sac. Laisse-moi te dire que tu es la même chose avec la fille qui se met à cette vie. C'est la même chose comme la fille qui se met à cette fille. C'est pourquoi, toi, ce monsieur qui m'entend, réponds-toi. Toi qui passes tout ton temps dans le mari, toi qui passes tout ton temps dans le bistrot, toi qui passes tout ton temps dans le bois de nuit, réponds-toi. Oh, cela, réponds-toi. Cela, réponds-toi. Cela, réponds-toi. Cela, réponds-toi. Toi qui consommes de l'alcool, réponds-toi. Réponds-toi. Si ton pasteur te dit que l'alcool c'est une bonne chose, c'est un sorcier, c'est un menteur. C'est un menteur. Il n'est pas venu pour te conduire au ciel.
Si ton pasteur te dit que l'alcool c'est une bonne chose, c'est un agent du diable. C'est un agent de Satan. L'alcool n'est pas une bonne chose. L'alcool est un péché. L'alcool c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Une abomination. C'est une abomination à l'Éternel. Oh, toi qui bois de l'alcool, répands-toi. 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 Jésus n'est pas cela. Je n'ai pas cela. Vous qui pouvez, sous prétexte que je suis en train de se mettre en vain, est-ce que tu as vu? Je vais montrer. Je suis en train de se mettre en vain. Dans un chrétien de bois, c'est ce que ton passé t'enseigne. C'est ce que ton passé t'enseigne. C'est un agent du diable. C'est un agent du diable. Regarde. Voici mon bois. Voici le slow. Comment il est, pose seulement la question. Est-ce qu'il est encore conscient? Et avec ça, tu penses que tu perds le sens. Il est dépourvu de sens. Il est dépourvu de sens. Lorsqu'un être humain boit, il est dépourvu de sens. Il est dépourvu de sens. Il n'a plus le contrôle sur lui. Il n'a plus le contrôle. Et ton passé te dit qu'un être humain, qu'un chrétien peut boire. Il peut boire. C'est censé. Il est dépourvu. Tu n'as qu'à te montrer. Si réellement il a l'esprit de Dieu, et ce passage, si réellement il a l'esprit de Dieu, il n'y a qu'à te montrer. Dis-lui, quand il y a des servants qui sont venus prêcher au carrefour, Abraham, ils ont dit que la croix c'est ton péché. Et toi qui passes tout ton temps à la voix de nous, toi qui passes tout ton temps, tu as une bouteille de bois dans le maquis, ça te concerne. Ça te concerne, car la bière que tu bois, c'est le pipi des témoins. Tu ne sais pas, oui, ton passé n'a jamais dit ça. C'est parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Il n'a pas la révélation de Dieu. Il ne connaît pas les choses spirituelles. La boisson que tu bois, le liqueur que tu bois, toi-même tu sais pas, ça quitte. Ça vient, tu prends, tu m'en dépends. Tu suis le temple de Dieu. C'est le pipi des témoins. Pardon. C'est pourquoi? Sors de cette vie. Je t'en supplie. Sors de cette vie. Toi qui penses que c'est du mensonge, ce que le Seigneur peut me dire, lorsque tu vas rencontrer Satan, lui-même va te dire que ce que les enfants sont venus te dire, c'est la vérité. Oui. Aujourd'hui, tu es en train de te parler, tu dis non, c'est mensonge. Le Saint-Esprit te parle aujourd'hui, tu dis c'est du mensonge. Quand Satan va te parler, quand Satan lui-même, le diable, quand lui-même va te parler, quand lui-même va te parler, tu verras. Quand tu vas le rencontrer, en affaire, tu verras. Tu verras. Pendant que tu es en vie, pendant que tu as le son de vie, pendant que tu respires, c'est le moment de te repentir. C'est le moment de sortir de cette foule. Pendant que tu viens, c'est le moment. C'est le moment. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Toi, chrétien, qui es dans la volage, l'esprit de Dieu, que le chemin que tu as emprunté, il est large, il est spacieux. Oui, le livre de Matthieu 17, verset 13, nous dit, entrez par la porte étroite, car large est le chemin. Large est la porte, spacieux est le chemin qui conduit à la perdition. Et il y en a beaucoup de personnes qui entrent par là. Mais resserrée est la porte, étroite est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Toi, tu as su quel chemin? C'est quel chemin tu as emprunté? C'est quel chemin tu as emprunté? Répands-toi. Répands-toi. Fais le plein de ta vie. Fais le plein de ta vie. À compter de ce jour, bien-aimé, fais le plein de ta vie. Et donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et reviens à Jésus. Car
Jésus encore t'accorde une chance. Il t'accorde encore une chance. Si tu as encore bonne santé aujourd'hui, il veut que tu te repens. Si tu as encore la vie aujourd'hui, il veut que tu te repens. Si tu as encore en bonne forme aujourd'hui, il veut que tu te repens. Il ne désire pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se repent. Il veut que le pécheur se détourne de sa méchanceté afin qu'il vive. Voici ton voix paraîtra devant l'homme, mais son Messie c'est la voix de la mort. Aujourd'hui, Jésus te conseille à choisir la voie de la vie. Il te conseille à choisir la voie de la vie. Bien-aimé, c'est en Jésus qui a la vraie vie. C'est en Jésus qui a la vraie bénédiction. La bénédiction que tu as tant cherchée, c'est en Jésus qu'elle se trouve. La paix que tu as tant désirée, c'est en Jésus qu'elle se trouve. C'est pourquoi, pendant que tu as vu, fais la paix avec Jésus. Pendant que tu as encore vu, fais la paix avec Jésus, je t'en supplie. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.